Et salut, c'est Seb, on se retrouve pour une vidéo sur e-Racing. On est parti pour 20 minutes course sprint en GT3. Et on est sur le circuit de Watkins Glens, donc encore une fois un circuit à risque. J'ai pas eu de tour valide, je me suis fait trop tard, j'ai eu un petit souci technique donc dans la qualif. Vous savez, hein, sur e-Racing on a deux tours, donc du coup je pars très très loin, 15e je crois. Donc voilà, j'ai mis un peu un trait sur le rating. Donc advienne que pourra, on verra bien de toute façon ce que ça donne. Mais voilà, on va essayer d'esquiver un petit peu les cadavres qu'on va pouvoir peut-être croiser. Et puis on va regarder ce que ça donne. Donc, comme d'habitude sur e-Racing, je me laisse un tour et demi pour commencer à parler. Puisque le départ, vous le savez, toujours un peu dans l'axe. Je suis forcément, enfin forcément, comme souvent sur cette série avec la Ferrari. Fin de journée, comme vous pouvez le voir. Superbe couleur, franchement. Alors, je l'ai déjà dit, hein, un petit peu jaunâtre. J'ai pas de reshade hein, sur e-Racing. J'aurais peut-être en mettre un d'ailleurs. Peut-être un petit peu trop saturé aussi au niveau couleur, mais voilà, ça me plaît encore pas trop mal. C'est marrant, c'est que quand tu recordes une vidéo, tu sais pas si tu vas la poster en fait. Tu parles et puis tu te trouves des fois à pas la mettre en ligne parce que soit il y a de la merde ou c'est pas intéressant. Allez, 60 FPS ici. Regardez lui, regardez-moi ça l'avère. Il me fait peur lui. Ça relâche derrière. Et voilà l'instant crucial ici. L'instant fatidique. Et souvent ça part en cacahuète, hein, ça je vous le dis. Ça va s'est passé. Le vert il fait gauche droite, droite gauche. Il faudrait que je me méfie. Alors beaucoup demandent pourquoi je passe la vitesse des fois un peu plus rapidement que possible, quitte à être en sous-régime. Bah c'est justement pour pas avoir trop de motricité et pas spinner en fait. Alors ça tu peux le faire aisément en gérant l'axel, mais des fois je préfère passer une vitesse et mettre pied au plancher plutôt que de risquer... Incroyable, un tour sans encombre. Ça va durer. Ouh là là, ouh là là là, vous avez vu. Cette partie là est assez compliquée. C'est top fixe, hein. Je sais pas si je l'ai dit. Pas beaucoup trop de crash pour l'instant.
Ça a l'air d'être assez correct. Oula. Ouf, ouf, ouf. Voilà. J'ai pris un voie 4. Peut-être normal. Oula là là là. Là c'est un combo là. Team Ninja et Team j'ai eu du bol. Oh là là là, voilà à un moment. Enfin, j'ai pris du temps, hein. J'ai trouvé à prendre ma décision. À savoir si j'allais gauche, droite, à un moment faut mettre une pièce, mais. Ouh. Là on vient de loin là. Surtout le mec derrière aussi avec sa BM. Enfin qui est maintenant devant, mais. Normalement, au niveau de temps, je suis au même niveau des deux devant, donc ça devrait promettre une petite bagarre. Allez, déjà 5 minutes de fait. Accident d'un pot jaune. Le mec a dû quitter, je pense. On se montre. On se décale aussi pour le frein. Loupé. Rester dans la spi. Parce que derrière, l'air de rien, c'est à 4 dixièmes. Crash. Non, 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 non. C'est chaud, grand. Chaud ce que tu fais. Mais comment il a freiné, lui? Non, mais sérieux. C'est quoi son frein? Alors encore une fois j'ai eu du bol. Ne venez pas me dire très bien joué Seb, non là j'ai eu encore une fois pas mal de chance. C'est une Audi devant. Là, il va y avoir bagarre, je pense. Encore un mec qui s'est explosé.
Alors pour l'instant, je croise les doigts. Vous voyez ça, rien qu'une course comme ça me donne envie de rester sur e-racing. Allez, on va se montrer dans les rétros. La technique. Derrière, ça a une seconde, il faut se méfier aussi. Bon, on va être à la speed. Est-ce qu'on va prendre quelque chose? Je vais devoir ralentir à mon avis. Ouh, je me décale. Je suis devant. Il soulage. Eh ben. Je suis tombé sur une session incroyable. Bon, par contre, devant, c'est tout de suite à 7 secondes. Donc là, allez, moins de 10 minutes. On va voir si on peut revenir quand même. Pendant que je suis un peu dans le ventre mou de la course, je tiens à remercier hein, tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui like. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai peut-être déjà dit, mais je me répète, c'est pas grave, c'est l'âge. Depuis que je suis revenu sur écran, j'ai l'impression, hein, c'est pas un hasard. Plus de visibilité pour vous, c'est mieux, c'est plus agréable. Les vues. Le ratio de vues a augmenté et ça fait plaisir de voir ça parce que au moins tu sais que tu fais pas des vidéos pour 300 mecs, à 300 vues en tout cas. Donc, rien que pour ça, merci. Bon, je passerai pas la barre des 5000 abonnés avant la fin de l'année, mais bon, c'était pas un objectif en soi. Allez, il faut se méfier. J'ai failli la perdre. Alors je continue le rythme parce que le P7 et P8 sont en train de se battre. Donc sait-on jamais. Déjà on perd du temps hein, quand on se bat. Donc je vous dis les gars, n'abandonnez jamais. Et là, il est à 6 secondes 5 maintenant. Il reste moins de 8 minutes. Alors, il ne faut pas prendre de risques inconsidérés, mais voilà, il faut ne pas baisser le rythme. Si vous sentez qu'il y a possibilité de revenir. Suite au conseil de pas mal de monde, je sais pas si vous voyez, je me suis acheté un harnais. Vous savez que les harnais, c'est un harnais 6 points. C'est assez coûteux en neuf sur GT2i ou des choses comme ça. Sparco aussi. Donc on m'avait conseillé de regarder sur le bon coin et d'en prendre des d'occasion. Donc ils sont plus homologués course. Alors c'est bien en termes de tarif, parce que je l'ai payé deux fois moins cher, ça doit être 50 euros je pense. Mais
mais il y a un bémol. Et le bémol, c'est que ben, ça sent l'huile en fait, enfin, ça sent la caisse de course quoi. Bien sûr, je l'ai nettoyé plusieurs fois, mais petite odeur qui reste. Alors certains diront ça fait réaliste. Ok. Et voilà, prenez ça en compte si vous voulez en acheter un. C'est pas forcément quelque chose que j'avais pris en compte. Ah, voisin. Même pas. Alors pour l'instant, on est P9, quasiment 2 secondes derrière, donc on a un peu de marge, il reste 5 minutes. Pékin de la P9, je dis c'est pas mal. Hein. Ils sont là-bas tout au bout, hein. Ça joue à pas grand chose. Hein. Allez, 4 minutes. Ouh. Ah, il y a eu la casse, le 8e, je vous l'avais dit. Avec sa Porsche, il est reparti, mais à mon avis il a des dégâts, donc il roule quand même bien, hein. Un petit peu bizarre ça. 3 minutes de la fin. Ouh. Je vous l'ai dit, il faut les esquiver. Hein. C'est... Je crois que je vais jouer au loto ce soir. Hein. Je vous dis, c'est pas toujours comme ça. Hein. Mais bon, je pense que je vais perdre des points quand même, parce que j'ai eu un x4 au niveau des incidents. Et au niveau, comment dirais-je, du rating de l'IR, je crois qu'il fallait que je sois 6e. Et je suis 9e, donc bon, 8e peut-être même. Et au final, moi si je roule dans un niveau en dessous et que c'est propre, je m'en fous complètement, bah, mais alors... complètement de pas être à 4000 de rating. De toute façon, à mon avis, des mecs qui jouent leur vie avec, même à 4000 de rating sur une course élevée, il y en a aussi, donc je roule à mon niveau, à mon rythme, et puis là au moins il n'y a pas de setup.
Moi, c'est pour m'amuser. Hein. Mais bon, à entendre certains, on peut pas s'amuser sur R6. Il faut y aller pour la gagne. Il faut y aller pour. Il faut s'entraîner 3 heures. Bah non, je suis désolé. Ça veut dire quoi ça? J'ai envie de rouler tranquillement, même si je fais pas de training, mais si je ne défonce pas tout le monde, j'ai ma place comme tout le monde. En plus, parce que j'ai eu pas mal de commentaires dans ce sens-là, comme quoi, alors pas que je disais de la merde, et je me méfie quand même parce que derrière c'est à une seconde, pas que je disais de la merde. À ces jeux, c'est-à-dire que je ne critique pas pour critiquer, je joue autant que ce soit EAWRC ou que ce soit le dernier rallye RBR, j'y joue plus à certains que d'autres, mais j'y joue. Donc l'objectivité elle est à partir du moment où tu joues au jeu, quoi. Effectivement, si je prends une simu ou autre et puis que je le défonce et je n'ai roulé que sur 5 tours, oui, forcément là ça n'a pas d'intérêt. Et pour tout le reste, je me sens crédible quand je critique un jeu ou quand j'évoque des défauts. Ce n'est pas la même chose. Hein. Je reviens sur l'un des derniers commentaires que j'ai eu. RBR, si je dis que c'est une tannée et que c'est chiant à installer, comment tu peux dire que c'est pas vrai? Je sais pas moi. Comment tu peux dire ça? Informatique, il faut dire que c'est facile à installer. Moi, je suis pas d'accord. Oui, en termes de sensation, il est meilleur. En graphisme, il est pas meilleur. Enfin, je veux dire, à un moment. Enlevez vos œillères, les gars. C'est pas parce que on montre des points négatifs sur des jeux, encore une fois je le dis toujours hein, c'est mes points négatifs pour moi hein. Que le jeu est mauvais ou que les mecs qui sont dessus vont se barrer hein. Arrêtez avec vos... avec ce caractère de je critique un jeu, tout de suite tout le monde va se barrer alors il faut arrêter de le critiquer. Bref, vous voyez je parle de tout hein, sur mes courses. Et bien on termine 8ème. Comme quoi, démarrer derrière, ça n'a pas que du mauvais. Hein. Bon là, étonnamment, ça a été assez propre. Enfin, propre, il y a eu quelques crashs, mais c'est l'effet de course. J'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, mais voilà. Bon, le mec, il me dit bon travail, je prends. D'habitude, il me défonce. Hein. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Les autres sont déjà rentrés chez eux. Bref, voilà. Allez, je vous laisse sur cette course, et puis on en débat dans les commentaires. Je vous dis à une prochaine. Tchuss.